C'est quoi le cadeau? Ok. Et donc là, c'est les nouvelles rewards ou c'est les mêmes rewards? Non, c'est les mêmes rewards. Vous avez vu? Regardez, c'est victoire fabuleuse. Bon, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Crane, il faut taper un certain modo en H. Là, il est intenable, mais chut, je n'ai rien dit. Mince, quel modo commence par H? Il y a tellement de modérateurs, jamais je ne pourrais trouver qui c'est. C'est trop compliqué. Je risquerais de compromettre un innocent. Bonsoir, Crane, la maintenance est enfin finie. Je vois ça. Alors, on y va, regardez. Attendez, normalement, le gestionnaire de deck... Non, c'est pas ça qui a changé. Ah oui, je voulais voir un truc. Hop. Utiliser les codes. Ah, il y a quelqu'un... J'arrive. Petit instant. Rien que pour vous, sous vos yeux ébahis ou pas. On m'a envoyé un code et j'ai envie de savoir s'il fonctionne ou pas. On ne sait jamais. Des fois que ce soit un nouveau code. Alors. Hop. Dans le savoir. Hop. Oh non, viscose. Oh là là, la tristesse. Bah, c'est gentil à toi. Merci Zach pour ce code. C'est très gentil, mais je l'ai déjà. Les boosters, Ken, les boosters. Donc maintenant, oui, ils ont changé en booster extension récente. Et en deck, et ce qui est plutôt pas mal du tout. Ils devraient faire des promos sur des decks et sur des boosters. Ce serait cool. Enfin, surtout sur des decks. Comme ça, ça donnerait envie à tous les gens d'avoir tous les decks. Alors, les boosters. Je sais pas pourquoi je fais ça. Booster. Voilà, alors on a deux boosters XY point furieux. On a un booster XY primo choc. On a deux boosters XY vigueur spectrale. On a trois boosters XY ciel rugissant. On a quatre boosters XY étincelle. On a deux boosters XY impulsion turbo. On a deux boosters XY tout court. Et on a un objet de récompense, coffre peu commun, coffre récompense. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a un modo qui commence par H, mais c'est bien sûr, c'est Hope. C'est Hope du chaos, bien évidemment. Salut Crane, en meilleure forme. Non, là, je suis en train de décéder. Je fais pas long feu, hein. Vous m'excuserez. Crane, un dilemme, tu es entre un silence et un ange pleureur. À qui tournes-tu le dos? Je vois pas ce que c'est un silence. Donc... Bah du coup, je vais dormir quand tu commences. Bonne nuit Crane, bonne nuit le monde, bonne nuit Bad Pandalaire. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Ah, attends. Est-ce que ça marche, ça? Ah, il est un peu pourri, ce roulement de tambour. Il en avait des biens, Antares. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Roulement fermé, c'est bon. Très très long. J'ai pas de cymbales à la fin, c'est chiant. Faut une cymbale. Ah, voilà, celui-là. Allez, c'est parti! Ouvrez votre coffre récompense. C'est fabuleux. Un lien spirituel Kyogre. Votre tour ne se termine pas si le Pokémon auquel cette carte est attachée devient Primo Kyogre X. Très bien. Ken, il y a déjà un tambour dans les boosters. Ah bon? Ah mince, il y a déjà un tambour. Mais il n'y en avait pas dans le coffre. Allez, c'est parti. C'est parti. Ouvrir. Vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Non, il n'y a pas de tambour. Ouh, il y a deux rares. On commence par deux rares. C'est beau. Un dos du haut. Une énergie. Je sais plus quoi. C'est quoi comme énergie ça? C'est lesquelles l'énergie? Les neutres? Un feuillage ou un limagma. Un hirondelle. Un pérégrin, évolution de l'épidonyl. Un roussil, évolution de Fennec. Un solaroc, 90 de vase. Une attaque à 60. Si c'est les rocs qui sont sur votre banc, cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires. Mais maintenant, oui, maintenant je l'entends. Mais il n'était pas au départ.
Il était voté par. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Métal. Ah, c'est métal. Métal. Énergie acier, d'accord. Je savais même pas que ça existait. Je savais même pas que ça existait. Allez, c'est parti. C'est parti. On commence avec un Coiffarel. Talent, toison épaisse. Tous les dégâts infligés à ce Pokémon par des attaques sont réduits de 20 après application de la faiblesse et de la résistance. Coupure d'énergie. Lancer une pièce s'efface, défausser une énergie attachée au Pokémon actif de votre adversaire. C'est mignon. Ça m'a l'air mignon. Ça m'a l'air mignon. Ça m'a l'air mignon. Et donc le deuxième, un Xerneas. Bon bah voilà. Hein. Y a pire. Allez, on veut des ex. Bah oui, on veut des ex. C'était quoi ce booster remboursé? Rembourser le booster. Bon, Xerneas, c'est toujours bien. Ouvrez-en un autre. Bah oui, ouvrez-en un autre. Allez, combien de cartes rares? Oh, deux encore. Encore deux cartes rares. Un topiqueur. Un flottajou. Une autre truc métal. Un pitrouille. Un charpentier. Un électrode. Un croaporal. Sana. Booster 1, pas top sur 20. Attention. Attention. Castorno. 100 points de vie. Double coup de boule. Vous un. Ouais. Et un. Ouais. Un. Voilà. Je te montre mes 5 doigts, mais imagine qu'il n'y en a que 4. Voilà. Et bien plus encore. Non, ça va me faire acheter les boosters, c'est ça. Ah, déception. Déception. Il y a toujours deux rares dans un booster. Ah non, pas forcément. Allez, on commence par la fin. Il y en a deux, celui-là. Il y en a deux. Allez, ouvrir. On y croit. Allez, ouf. Ok. Non, là, vous voyez, par exemple, il n'y en a qu'une seule. Alors, un Tarsal, un Tilton, un Houtout, un Lépidonil, un Marcarin, un lien spirituel Onigali, un Mass Ball. Cherchez dans votre deck un Pokémon avec un coup de retraite de 3 ou plus. Montrez-le, puis ajoutez-le à votre main. Mélangez ensuite votre deck. Mm-hmm. Un Sablero, un Marisson et un Tiflosion. Alors, c'est un niveau 2 de Ferisson. Et Ferisson, c'est quoi? C'est... Non, bon, je sais pas. Défaussez les 5 cartes du dessus de votre deck. Cette attaque inflige 80 dégâts multipliés par le nombre de cartes énergie que vous avez défaussées. Ouais. Défaussez une énergie attachée à ce Pokémon. Ensuite, défaussez une énergie attachée au Pokémon actif de 13. Ouais. Je te montre mes 5 doigts, mais j'imagine qu'il n'y en a que 4. Crane 2016, le dyslexique. Exactement. Je suis sûr que la maintenance a tout cassé. C'est ça, Crane le deuxième. R de déjà vu sur 20. Salut, Palaboum. Sympa ton nouvel layout. Content que ça te plaise. Un grand merci à Haute Nervous. Bon, la pub de 3 heures pour la crème d'attente. Je t'aime bien, Crane, mais j'ai du refresh. Pas possible, je comprends. Ouvrez-en un autre. Bon, ils sont pourris, ces 3 boosters, pour le moment. C'était mieux l'autre fois. Ah, encore qu'une seule. Mais on l'a déjà eu, celui-là. Alors, est-ce qu'il y a des choses fabuleuses? Il y a des choses fabuleuses. Un grand boule. Un fluette. Un staros. Attention. Un guerriègle. Cruel. Lancer deux pièces, attaque, j'ai fait 80 dégâts multiplié par le nombre de côtés face. Ouais, d'après mes calculs, t'auras 4x. Crane, c'est très fort. En fait, dans les decks feu, tu as des énergies qui sont indéfaussables. Du coup, ça rend les cartes comme ça très fortes. D'accord, Kalitz, d'accord. Terminé. Allez, 4. On en a 4, celui-là, à ouvrir. On en a 4. Ouvrir. Allez, on va bien finir par avoir une X. Déjà 4 boosters d'ouvert et c'était pas terrible. Le Xerneas, hein, qui était mignon quand même. Ah, encore qu'une seule. Alors qu'est-ce qu'on a? Roucoul, Baguiguane, Grelasson, Elionceau, Muscule, Farfuret, Colimucus, Maracachi et Mégaphone Surprise. Défaussez toutes les cartes outils Pokémon attachées à chacun des Pokémon de votre adversaire. C'est mignon ça. C'est mignon. Et là, un Mouflair. Lancez une pièce. Si c'est face, défaussez une énergie attachée au Pokémon actif de votre adversaire. On va en ouvrir un autre. Maracachi. Maracachi, il fait quoi? Pendant votre prochain tour, lancez 6 pièces au lieu de 2 pour l'attaque épine acérée de ce Pokémon. Lancez le pièce, cette attaque inflige 20 dégâts multipliés par le nombre de côtés face. Mouais. Elles sont pourries, mes ouvertures de booster, là. On a déjà ouvert 5, on a rien eu qui me fait rêver. Alors, ça c'est très bien, tempête magique.
une belle rusée. Regardez les cartes dessus des decks de l'un des joueurs. Vous pouvez défausser la carte, regarder ou la mettre sur le dessus du deck. C'est un peu pourri quand même. Une évolution de Matt Caïman. Un autre Farfuret. Et là, un Ronflex. Voilà. On va en ouvrir un autre. Sauf les bonnes cartes. Je t'avais dit de proposer la vidéo à 5€. Au moins, t'aurais eu un peu de bénéfice. Ah, il y a de rares. Un Moufouette. Un Galavrant. Un Lixi. Une Fouinette. Un Pistigris. Un Galopa. Un Colimucus. Une Roserade. Attention. Et là, un Mupludocus. Régénération visqueuse, autant de fois que vous le voulez pendant votre tour, avant votre attaque, vous pouvez défausser une énergie attachée à ce Pokémon. Dans ce cas, ce sont les 60 dégâts à ce Pokémon. Choc fouet, lancer une pièce si c'est face, cette attaque inflige 40 dégâts supplémentaires. Ouais. Et là. Oh, un Lysandre. Un support, il est classe la carte. Échanger un des Pokémon devant votre adversaire avec son Pokémon actif. Bon, c'est un peu. C'est pas exceptionnel, mais c'est une carte. Attends, j'en avais plein des cartes comme ça. Mais elle est jolie en tout cas. Elle est jolie. Changer l'un des Pokémon devant votre adversaire avec son Pokémon actif. C'est bien ça? C'est une bonne carte? Ah, c'est parce que je peux choisir. Ah oui, je peux choisir avant d'attaquer. Elle est jolie. Elle est belle en tout cas. Elle est belle. Je sais pas si c'est... Je sais pas ce que ça veut dire, full art, je sais pas quoi, mais c'est joli. C'est très joli. Full art classe. Un full art, c'est une ultra rare, Crane. 1 sur 4. Dresseur full art, pas mal. Elle est très jolie en tout cas. Elle est très jolie. Ouvrez-en un autre. Alors, allez, deux rares. Ah non, une seule rare. Ok. Tac. Fan club. Et là. Un Moufler. Terminé. On en a 3 à ouvrir comme ça. Elles sont où les cartes X? Elles sont où les cartes X? On a ouvert, je sais pas, une dizaine de boosters là et on en a eu 0. C'est un petit peu l'arnaque. Bon, j'en ai eu plein l'autre jour, mais quand même. Là, je suis extrêmement déception. Si j'en ai pas une seule, je vais pleurer. Oh, ça c'est bien ça. Notre nom soit annulé. Bah, enfin, c'est bien. Bah, avec mon Rayquaza et mon M Rayquaza, non, ça se trouve, c'est pourri. Ningale. Attention. Un Togekiss, grosse baffe, lancer une pièce pour chaque énergie attachée à ce Pokémon. Cette attaque inflige 50 dégâts multipliés par le nombre de côtés face. Cette attaque inflige 20 dégâts à l'un des Pokémon devant votre adversaire. On va en ouvrir un autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pifabec. Un Pikachu, j'avais pas de Pikachu, c'est classe. Un Drabi. Ok, un Hirondelle, un Chenipote, Pierre, Timmy, un Ninjasque, un Draco. C'est moi où il brille un peu le Draco? Non, il brille un peu, non? Je sais pas. Non, peut-être que je rêve, je ne sais pas. Et là, on a un Jirachi. Voilà. Et on est content. Ah, Yedora. J'aime bien quand Yedora. J'aime bien ça. Hoppermine, Drabi, Ningal, Electrode, Ninjas, Crapel. On y croit. Attention. Un Elector. Becvrille. 120. Cette attaque inflige 40 dégâts à l'un de vos Pokémon de banc. N'appliquez ni la faiblesse ni la résistance. Ok, ça a l'air pas mal parce que c'est un Pokémon de base. Donc je sais pas si c'est vraiment bien. Mais ça a l'air pas mal. Renek, tu pourras narguer à tôt ce Jirachi, il le cherche. Mais je crois que j'en ai 2 des Jirachi. Jirachi dans la colle, légendaire Jirachi, Crane GG. C'est un légendaire Jirachi de quoi? Enfin, je vais au dodo, salut tout le monde, Crane à les avant-dernières cartes. Donc, Elector, ça a l'air plutôt pas mal. Et là, un Xatu. Votre adversaire monte sa main, défausser une carte dresseur que vous y trouvez. Regardez les 5 cartes, ok, tout. Mais elles sont où? Elles sont où les ex là-haut? Elles sont où les ex? Ah, celui-là aussi il brille. Mais il brille tout peut-être, non? Je sais pas. Oui, il y en a qui brillent. Voilà. Terminé. On a 2 à ouvrir comme ça. Ouvrir. J'ai eu 0 ex, quoi. 0.
Je peux pas en avoir un peu de temps en temps? Hein? Alors on a quoi? On a des trucs. Un Mélancolux. Prenez un Pokémon de base dans la pile dépose de votre adversaire et placez-le sur son banc. Pourquoi? Mais d'accord. Un pif avec. Attention, 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 attention! Un Leuphorie! On en ouvre un autre. Je vais pleurer, hein, je vous le dis. Hein. Je vais pleurer. Hein. Je vais pleurer. Allez, Crocodile, ça mord! Faites une carte supporteur de votre pile de défauts à votre main. Dévoutez une énergie spéciale attachée à l'un des Pokémon de votre adversaire. Oh, c'est le maillet amélioré, c'est un maillet qui est mieux. Ah, c'est une énergie spéciale, d'accord, ok. Yann Ma qui brille. Et attention, attention, attention. Ah, 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 Manternelle. Alors, soignez 20 dégâts à chacun de vos Pokémon. Ok. Je vais essayer jusqu'à 2 Pokémon de banque qui n'ont pas de carte outil Pokémon leur étant attaché. Pour chacun des Pokémon choisis, cherchez une carte outil Pokémon dans votre deck. Attachez le Pokémon. Mélangez ensuite votre deck. Ok. On n'a qu'une seule, comme ça. On va l'ouvrir. Et nous avons Gamer Frido, Gamer Frido qui sera bonne pour la quatrième fois, 4 mois de soutien. Merci Gamer Frido, merci. Merci le monde, allez bisous. Et bim le resub. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Il est marrant le dessin de sa pro. Bon, bon, bon. Allez, 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 allez. Un Volcaropode avec un dessin qui n'est pas pareil. Donc il fait pas 80 dégâts celui-là, mais il fait 60 plus. Si le Pokémon actif de votre adversaire est un Pokémon X, cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires. Ok. Ok, ok, ok. Terminé. Et c'est tout? Il me reste plus que 2 boosters. J'en ai ouvert 14 là. J'ai ouvert 14 boosters et j'ai eu 0 X. Des Evoli. Un journaliste de combat. Un vibratruc. Voilà, voilà, voilà. Allez, vas-y, vas-y. Vas-y. Et les câbles. Étincelle groupée. Voilà, lancer une pièce efface. Cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires. Si c'est pile, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé. Voilà. Allez, ouvrez-en un autre. Le dernier. Voilà, voilà. Un Poutipi. Un Galifeu. Ceinture Force. C'est le Pokémon terre auquel cette carte est attachée. À tous ses PV, doit être mis KO par les dégâts d'une attaque de l'adversaire. Le Pokémon n'est pas mis KO, mais il lui reste 10 points de vie. Ensuite, défaussez cette carte. D'accord. Nymphalim. Booster, j'ai pas eu une carte qui m'a fait rêver. 16, ça sent la merde d'un coup. Eh oui. Eh oui. Vous m'attendez pas avec 16 boosters à rien voir du tout, quoi. T'aurais dû aller dormir, c'est ça. Crois-moi, t'as eu des bonnes cartes pour jouer niveau technique. J'en ai vu passer qui sont pas mal. Dis-toi que tu gagneras encore plus de boosters en gagnant plus facilement avec ce que t'as eu. Ça me rassure et me console beaucoup.
très très heureux. Merci. Montre-nous les cartes ex que tu as déjà pour te remonter le moral. On va faire ça. On va faire ça. Pokémon. On va les classer par rareté. Voilà. Allez, viens. Allez, tout au bout. On va aller voir mes cartes ex. On va me remonter le moral. Et voilà, comment finir le stream ce soir, créer une rage, quitte et paf, s'effondre dans son lit. C'était pas des boosters exceptionnels, j'avoue. Ce sont mes ex. Caché. Voilà, j'ai un M Rayquaza X, un Rayquaza X, un Giratina X et un M Sisa Yox X. Voilà, dit tout ça. Voilà, je peux aller dans filtre et puis voilà, hop, appliquer. Voilà, comme ça. Mais non, Crane, ne t'inquiète pas, tu en auras des ex. Allez, fais un gros câlin, ça ira mieux. Moi, je m'attendais pas à ça, 16 boosters, quoi. 16 boosters. Pour te consoler, t'as eu un Jirachi pété. Alors, comment je peux voir? Attends, filtre. C'est pas ça que je veux faire. C'est ça. Comment je peux voir? On peut pas rareté. Ça, c'est quoi, ça? Tac, tac. Tac, si je fais ça, ça donne quoi? Ça, c'est toutes les rares. Alors, c'est ça. J'en ai deux. Non, c'est pas celui-là. C'est ça, le Jirachi pété ou pas? C'est ça, j'en ai deux. Regardez les 7 cartes du dessus de votre deck et ajoutez l'une d'entre elles à votre main. Mélangez les autres cartes avec votre deck. Très bien. Karnariket, défaussez toutes les énergies attachées à ce Pokémon. Le Pokémon défenseur est mis KO à la prochaine fin du tour de votre adversaire. Voilà. Bah, genre, voilà. Crane, il est presque touchant tellement il est frustré. Oui, mais bon. Je suis tristesse. Je suis tristesse. Pokémon. Dresseur. Filtre. Alors, attends. Enlever des trucs. Rareté. Appliquer, ça donne quoi? Donc ça, c'est la seule... C'est une ultra rare, ça, donc. Pokémon. Ultra rare promo. Attends, ça, ça veut dire... filtre, si j'enlève promo. Tout ça, c'est des ultra rares? C'est des trucs rares? Non, c'est pas ultra rare. Je sais pas ce que ça veut dire, l'étoile. Ça fait bizarre de te voir sa petite Crane, mais j'aime bien ta tête dans ces moments-là. Crane, c'est lui, Jirachi pété Crane. Moi, j'ai eu un Raichu Turbo, nous disait Sphere. Crane, rappelle-toi, dans la vraie vie, les ex, c'est les cartes faibles. Crane, cela mérite un autre booster. Non, je ne dépenserai pas mes sous pour acheter des boosters parce que je ne sais pas ce que je veux comme, comme collection pour le moment. Donc, tout ça, c'est les cartes un peu... Ouais, mais comment je sais si je peux les jouer ou si je peux pas les jouer? Parce qu'il y a des trucs qui sont dans des decks. Ça, tout ça, c'est dans des decks. Nouveau Quaffarel. Nouveau Miplodocus. C'est tout. Ah si, il y a eu Typhlosion. Énergie. Ça, on s'en fout. Booster, jeu. Avatar. Tu peux tout jouer? N'achète pas le deck avec Elector, crée une Italimex. Le truc, c'est que là, j'ai 1300. Imaginons, j'augmente à 1500. Vous dites qu'acheter des boosters, c'est mieux. Et c'est de la merde, les boosters, hein. Et c'est pas mieux que j'achète des decks. Et même si c'est un peu plus cher, ça me fait pas mal de cartes. En plus, je peux les jouer. Et si je fais 12 parties, je gagne un booster, non? Une carte peut être dans plusieurs decks en même temps. Et tu peux pas faire toi-même... T'es déçu, Crane? De quoi? Crane, même si c'est... Dans un deck à thème, tu peux les utiliser dans un autre. D'accord, des gens bien visés te conseilleront des decks Crane. Courage, va casser du dresseur, ça te fera les nerfs. N'achète pas de deck avec Elector, c'est le cas. Mais il y en a plein des decks, moi j'aimerais bien avoir tous les decks. Je trouve ça cool les decks préconstruits. Non, je trouve ça chouette. Mais bon, pour l'instant, j'achète rien. Et sinon, curiosité, parce que là, tout ça, moi je les ai gagnés en... Je les ai gagnés en jouant. J'ai absolument pas mis un centime dans le jeu. Ça coûte combien les pièces là? Ah, c'est ici, acheter.
Ah non, acheter, non, je vais acheter le. Non, 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 tu n'achètes pas le deck, tu n'achètes pas le deck. Enfin, j'ai failli acheter. J'ai cru que ça faisait acheter des pièces. Non. Elle arrive quand ta config, Crane ? Bah, il manque les cartes graphiques qui sont pas en stock, donc. Ils savent pas, c'est marqué plus de 15 jours, ça m'embête un peu. Oui, je suis d'accord avec toi, Crane, vaut mieux acheter les decks, ça permet d'avoir pas mal de cartes et c'est rentable dans le sens où tu gagnes quand même un booster après. Ouais, bah, je trouve. Hein. Si Crane, c'est ce qu'il y a de mieux, et les deux premiers sont très bons, que tu vois là, avec extension récente. Tu peux pas acheter les tokens du jeu. C'est du pur in-game. Ah, mais donc c'est pas un pay-to-win ? C'est pas un pay-to-win. 5-6 euros les boosters IRL, les decks construits sont entre 15 et 18 euros. C'est pas un pay-to-win, donc, le jeu. Désolé, je voulais dire. Et donc, tu peux pas faire toi-même tes decks. Si, normalement, tu peux faire toi-même tes decks. Deck égale cool pour certaines cartes, donc faut vérifier les boosters égale cool pour les cartes rares. Crane, j'ai acheté ma 1080 une heure après l'ouverture des ventes. Je l'ai reçu 15 jours après. Et oui, Frost, et oui. Moi aussi, je vous laisse. Bonne nuit, Crane. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, Malokasan. Ouais, moi, j'ai bien envie d'acheter des decks. Plutôt. Gardien céleste. Chef, on peut voir le deck. Ah, c'est cool, tu peux voir toutes les cartes. Et donc, il y a du goût plein. Il y a d'autres trucs niveau 2. 120, fournaise, 80 plus. Vous pouvez infliger 40 dégâts supplémentaires. Dans ce cas, ce Pokémon, ça inflige 20 dégâts. Ok, et un Kangourex qui n'est pas content. Il n'est pas content, ce Kangourex, par rapport à l'autre que j'avais vu. Sacoche d'énergie. Ce Pokémon auquel cette carte attachée est mis KO par les dégâts d'une attaque de votre adversaire. Placez toutes les énergies de base lui étant attachées dans votre main. D'accord. Crane, dans Pokémon TCG, quand tu achètes un booster IRL, tu as en plus dedans un code à rentrer dans le jeu. Donc on peut dire que acheter un vrai booster aide dans le jeu. Regarde le Gooplin, il est marrant. Qu'est-ce qu'il a ce Gooplin ? Alors. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant endormi. Ok, cette attaque inflige 20 dégâts multipliés par le nombre d'énergie attachées à tous les Pokémon en jeu. Cette attaque inflige 20 dégâts multipliés par le nombre d'énergie attachées à tous les Pokémon en jeu. Rien que ça ? Rien que ça ? Ah oui ! Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Gardien céleste est très bien. Et l'autre, c'est ça. Voir le deck. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un Mazjapik. Pendant votre prochain tour, les attaques de ce Pokémon infligent 60 dégâts supplémentaires au Pokémon actif de votre adversaire. D'accord ? Ce Pokémon ne peut pas utiliser coup déchirant pendant votre prochain tour. Ah, ça fait 80 pour 1. Donc, tu fais 40. Derrière, tu fais un coup à 140. Ensuite, tu refais 40, 140. Donc ça fait 40 et 140, 180, ça fait 90 de moyenne par coup pour seulement 1 d'attaque. Bon après c'est une évolution niveau 2, hein, donc c'est quand même pas rien. Un Lucario. Shonity, Shonizel, Zygarde. Ah, Zygarde. Zygarde, normalement ça doit envoyer. Le Pokémon défenseur ne peut pas battre en retraite pendant le prochain tour de votre adversaire. 30 pour 2, ok, rien d'exceptionnel. Canarticho fait beaucoup mieux. Cette attaque inflige 10 dégâts à chacun de vos Pokémon de banc, 120 pour 3. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Crane, je préfère les boosters, les cartes sont au hasard, tu peux avoir tout n'importe quoi quant au deck, ils sont construits et basés sur un thème particulier. Tu cherches des cartes genre ex, favorise les boosters, sauf si un ex est spécifié dans un deck. C'est possible d'avoir des ex dans un deck. Commence avec les decks et gagne le booster plus tard et renforce les decks déjà faits avec des cartes de booster. Crane et Lugia sont forts contre les decks ex. Lugia aussi est très bon, Crane dans ce deck. Il tempo à mort et fait mal. Lugia. Idéal pour débutants. Impact nocturne. Vague. Fender galactique. Hop. Vent ardent. Vortex. Celui-là, je l'ai. On peut voir si on l'a déjà ou pas. Tonnerre brillant. Typhon mystique. Celui-là, je l'ai. J'en ai un autre, mais je sais plus ce que c'est. Itération. Deck Marisson, deck Fennec. C'est dommage qu'ils ne fassent pas des promos sur des decks. Objet en vedette et précommande. Ça, c'est quoi ça? Alors. Ah là, il y a un M Dracofeu X. De quoi?
Alors, le lot contient deux boosters de 10 cartes XY étincelle, un booster de 10 cartes de XY JC Pokémon, une carte Pokémon brillante de Nemelios, une carte dresseur forgeron, carte flambeau. Ces cartes sont autorisées, mais il n'y a pas de M Draco Feu. Tu me mens ? Tu me mens ? Les cartes peuvent varier par booster, des cartes spécifiques ne sont pas garanties. Ah oui, c'est juste pour faire joli, hein. Ce Pokémon s'inflige 50 dégâts, il a 220 points de vie, et pour 5, il fait 300 de dégâts, ce qui me paraît correct. Ce qui me paraît correct. Donc j'aurais pu avoir M Dracaufeu, Mega Dracaufeu, X, au lieu d'avoir Lysandre, par exemple. Mais il est bien Lysandre. Il est classe. Une jolie carte. Lugia aussi est très bon, Crane dans ce deck, il tombe, d'accord. Crane, il nous faut l'emote canard. Oui, déjà, c'est l'évolution de Lucario, c'est ça. Crane, c'est pas un pay to win, à la limite, c'est un pay to accelerated, car pour faire des échanges et avoir des cartes particulières, il faut faire des tournois qui, eux, sont accessibles par ticket, et ces tickets sont soit achetables, soit les récompenses in-game. Crane, tu peux avoir un X dans un deck, c'est arrivé IRL dans certaines éditions, mais ça reste quand même rare. J'ai eu l'évolution finale de Mascaïman en X dans un deck promotionnel qu'ils ont sorti pour une occasion particulière, mais c'était édition limitée. D'accord. M, ça veut dire méga. Oui, je sais bien que ça veut dire méga. J'ai compris quand même certaines choses. Et ça, il y a quoi ? Deux boosters, donc ça, pareil. Les cartes peuvent varier. Alors, celui-là, je l'ai. Ou c'est le méga, je ne sais plus. Ou pas X, talent anneau malicieux. Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main sur votre banc, vous pouvez chercher... C'est difficile à lire. Vous pouvez chercher jusqu'à 3 Pokémon X, à part ou pas X, dans votre deck, les montrer et les ajouter à votre main. Mélangez ensuite votre deck. C'est vilain, ça. C'est vilain. Ça, c'est un truc qui va te chercher tes ex. C'est bon, tu, quand tu fais ça, tu as masse exposée, t'es heureux. Défausser deux énergies attachées à ce Pokémon. Cette attaque inflige 100 dégâts à l'un des Pokémon de votre adversaire. C'est tout. Ça fait 100 pour 3, mais tu défausses deux énergies en plus. Ouais, c'est vraiment son talent, le tout l'intérêt. C'est vraiment son talent. Ça me stresse quand tu dis M. Quoi, M veut pas dire maudit. Exactement. Après, Crane, le moyen le plus facile d'avoir des ex, c'est le versus. Oui, j'ai vu, j'ai commencé. J'ai commencé ici. Regardez, je suis niveau 1 et j'ai gagné des combats. Mais c'est très très loin. C'est très très loin. Il faudrait que je gagne. Alors, attendez, je suis à 5 victoires. Donc 50 pour avoir un ex, c'est celui-là. C'est Groudron ex et il faut combien de points ? Il faut 69 victoires. On en est très très loin. On en est très très loin. Lancer une pièce efface, défausser une énergie attachée au Pokémon actif de votre adversaire. Et déchirure massive. 180 points de vie. Et donc ça, c'est pour en avoir deux. Ah bah non. Ça a changé, c'est pas les mêmes cartes que tout à l'heure. Ah si, il y en a deux. Non, si, j'ai rien dit. Donc ça, et celle-là, c'est la même, c'est pour en avoir deux, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Et là, c'est quoi ces cartes ? Rhinastock. Tous les dégâts infligés à vos Pokémon par une attaque de votre adversaire sont réduits de 10. C'est mignon. Marteau point. Défausser la carte du dessus du deck de votre adversaire. D'accord. Et c'est une évolution de quoi, ça ? De Rhinophéros. Qu'elle n'est pas utile pour amener les X, mais les decks full X se font facilement contrer si c'est juste du bourrage. Des versus contre viewer. Ça file à 3 boosters, quand même. 5 boosters à 1670. Et donc la dernière, c'est Ruse de Max. Vous pouvez jouer cette carte seulement lorsque c'est la dernière carte de votre main. Placez un Pokémon de votre pile de défaut sur votre banc. Ensuite, piochez 5 cartes. Ok, Ruse de Max en full art. Bon, parmi tous les decks que j'ai, lequel selon vous est le meilleur à jouer en versus ? Comme ça, quand je fais du versus aléatoire. C'est lequel que vous me conseillez ? Alors j'écris de ralliement, écho enchanteur, fougue obscure, pouvoir cérébral, vitalité, bleu basique, jaune basique, rouge basique, vert basique. Crane, le versus contre les viewers ne te font pas gagner de récompense, c'est nul, donc le fais pas. D'accord, Kalitz. D'accord, ça marche. Oh, je suis tellement déception. Beaucoup celui avec Léviator. Ouais. Le Nymphali ou le Plante sont puissants. Alors, c'est lequel le Nymphali ? C'est celui-là. Moi, je joue le Vert de base, le Haut et le Psy. Vous me dites tout indifférent. Echo, c'est aléatoire. Tu gagnes soit des débuts avec ta main ou tu abandonnes. Ce qui peut être intéressant. Ce qui peut être intéressant parce qu'il n'y a pas de pénalité à perdre une game.
Donc du coup, s'il y a un deck qui est soit très puissant tout de suite, soit tu sais que t'as perdu, ça peut être intéressant de lancer la game et d'abandonner. En plus, tu fais un heureux en face parce qu'il gagne plus rapidement. Et voilà. On pourra trade des cartes hors live. Bon, je n'ai pas spécialement envie de trade de quoi que ce soit pour le moment. Du coup, écho enchanteur. Ça fait quoi, écho enchanteur? Ça fait nymphalie. On peut se tenter une petite game avec écho enchanteur. On verra bien ce que ça donne. Allez, jouer en versus. Devant vos yeux ébahis. Allez, on va voir. Recherche d'adversaire disponible. Je suis déjà salé sur... Quelqu'un, personne à l'avantage. Patientez, votre adversaire charge le jeu. On patiente. Allez, face. Alors, est-ce qu'il faut mieux que je commence ou pas? Allez, je vais commencer. Mais je sais pas si c'est mieux de commencer ou pas. Donc là, je peux poser que ça. Ce qui est pas hyper encourageant. Là, par exemple, je sais que je suis mal barré. Tu as commencé à jouer à 23h, et oui. Là, par exemple, je sais que je suis mal barré. C'est jamais, hein, sur un malentendu. Non, jamais commencé, surtout pas avec ce deck, surtout pas Crane. Ah bah voilà, voilà. Ah oui, il faut que je fasse terminer. Ça sent la défaite, hein. Donc du coup, faut que j'abandonne, là. Ou je continue. Parce que là, ça fait pas très très rêver. Hein. Ça fait pas très très rêver. On va faire ça. Hop. Voilà. Pour enlever des énergies à piocher. Abandonne, Crane, t'as perdu, tu n'as pas les volis. Ouais. Bon, on va rester 2 secondes. Ça me fait mal d'abandonner. Il a pas grand chose lui non plus en face. J'y crois. Qu'est-ce que ça fait sa carte? Il va peut-être me paralyser. Paralysation. Et il peut pas me faire de dégâts en plus. Ah! Allez, vas-y, regarde. Hop, sabotage. Sabotage. Dis Crane, tu mesures combien à cause d'aventure? J'ai l'impression que tu es minuscule. 1m80. Oh mon dieu, déjà? Ah non, il va me faire mal. Il va faire bobo. Ouais, bien sûr, il fait deux fois face. Non mais voilà, peut-être au bout d'un moment, il faut arrêter aussi. Bah c'était bien. C'était très très bien. Ouais, vas-y, on s'en fout. Voilà, c'était parfait. Très bonne game. Très très bonne game. En fait, c'est le soir du sel, c'est ça? On n'a rien vu. Je pouvais rien faire là, on est d'accord, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai mal joué, c'est pas quoi que ce soit. C'est le jeu qui m'a lui aussi montré ses 5 doigts, sauf moins 4. Voilà. Allez, face. Vous avez gagné. Non, je commence pas, on m'a dit de pas commencer. Donc j'ai toujours pas dévoli, mais j'ai moyen de piocher des cartes. Non mais voilà, j'ai qu'un seul machin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'était serré, t'as vu? Ah, magnifique. Il y a un truc qui va me faire 50 de dégâts. Allez, pile. Voilà, lui, il fait face. Vous allez voir que moi, je vais faire pile sur mes rollers. Ah, voilà, regardez. Voilà. On va faire ça. Ah, on va faire ça. Voilà, allez, tiens, regarde. Hop, voilà. Et j'adore ce jeu.
Ah, en plus, il a l'avantage en face. Ah, bah, parfait. Parfait. Oh, j'ai un évoli. J'ai un évoli. Je le fais évoluer quoi? En Infali? Ou en... Attends. Est-ce que je joue l'évoli en premier? Ken prend le deck, plante ou ils sont bien en JCJ ou achète gardien céleste qui est très bien. Yop, Srak le barbare. On va faire ça. Je l'évolie. Faire ça. Et ça. Pose pas les autres Pokémon, ils servent à rien. Mince, c'est trop tard, je suis désolé. Je le fais évoluer en quoi? En Infali ou en... Trop tard. Évolie en plante. Donc là, il a ça. Fais-le évoluer en Ferrari. Parfait. Je sais pas ce qu'il fait le plante. Vous voulez pas que je le fasse évoluer en Infali? Parce que si je le fais évoluer en Infali, je peux lui virer ses énergies. Sinon, il va me tuer, quoi. Avec 3 énergies. Donc là, je fais ça. Et je mets sur. Après, Miaouss. Tertal. Je sais pas ce que, en quoi ça évolue, donc on va faire au pif. Hein. Ah, ne booste pas le Terral, d'accord. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est bien, avec le décalage, je m'aperçois que je fais exactement ce qu'il faut pas faire. Je connais pas les cartes, hein, donc vous pouvez mettre la main devant le visage autant que vous voulez. Ça, j'aurais dû le faire avant, ça m'aurait évité. Hop. Ok. On continue avec ça. Il reste 60. Normal qu'avec une connexion à 800 mégas, je lag en élevé normalement. Non, moi j'ai 0 drop de mon côté, donc soit ça vient de Twitch, soit ça vient de ta connexion. Ok. Alors. Lancer le pied de satellite inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque côté face. Je pense qu'il faut pas. Que je fasse. Ah, si je peux faire. Bah, si, en fait. Ok. Crane, d'abord, bonsoir. Ethereal évolue en Métang et en Métalos. Des gros Pokémon bien bourrins. En cartes et en jeux vidéo. Persian. Des fois que je chope. Tac, tac, tac. Et écho. Un truc qui me heal, ça peut être bien. Donc là, il va me faire 30 avec une chance de me paralyser.
Qu'est-ce qu'il fait? Ah voilà, j'ai perdu, c'est ça? 80 plus. Ah là là. Bah allez. Faut que j'abandonne maintenant? La game est très mal partie. On va continuer des fois qu'on pioche les... Ren, t'es foutu. Attends, si les deux prochaines cartes que je pioche, c'est ces deux évolutions, je suis sûr qu'on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Ah, il l'a déjà, quoi. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il joue son Metalos, il te one shot. Attends, mais mon Chétifleur, il va faire une double évolution, tu vois. Ah, il a raté. Il a raté. Si tu veux, ok. Alors, ça fait 30, il a 90. Est-ce qu'il aura une énergie à poser ou pas? Le truc, c'est que le seul moyen que je prenne pas de dégâts, mais non, en effet, une one shot. C'est absolument pas quoi faire de mes cartes. Voilà. Il va mettre son Metalos et te tuer. Exactement. Exactement. Faudrait juste qu'il ait pas d'énergie. S'il a pas d'énergie dans sa main, j'ai peut-être une chance. Et encore. Et encore. Tiens, vas-y. Prends plus de... Ah, il n'a pas d'énergie, on y croit. Il n'a pas d'énergie. Il ne peut pas battre en retraite. Il ne peut pas utiliser son attaque. Il a pas d'énergie. T'as pas d'énergie. T'as pas d'énergie. Ce qui ne change absolument rien parce que je vais quand même mourir derrière. Qu'est-ce qu'il fait? T'as gagné là. Mais joue. Voilà. Ah, j'ai une update. Et là... Qu'est-ce qu'il fait? L'abandon n'est pas forcément la meilleure chose. Si il débute toujours, c'est pas forcément une mauvaise idée pour débutant de voir comment le jeu adverse... Oui, oui, ça, je suis tout à fait d'accord. À vous de jouer. Qu'est-ce que je fais de mes autres énergies? On va rien mettre. Ça coûte un de retraite. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Totalement foutu. Hein. Allez, tu rates, tu rates, tu... Oh. La tristesse. La tristesse. Ah, je vois pas ce que je peux faire. En plus, il se heal. Okay. Il m'a pas tué déjà. C'est déjà bien. Là, je peux le tuer. Mais ce qui me servira à rien. Ok.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Résistance, faiblesse. Je vais mettre une magnifique énergie. Faire 10 de dégâts. On va pouvoir mettre un Lima Speed. Et Lima Speed, il va être intouchable, vous allez voir. Voilà. On va gagner avec le Lima Speed intouchable. Ah, faiblesse en plus. Faiblesse. Regarde. Maintenant, fièrement balignon. Fièrement balignon. Ça fait ça déjà. Lancer une pièce. Regarde. Et bim. Et bim. Tout ça pour lui faire piocher des cartes. Ça va être génial. Ah là, tiens, prends ça. Prends ça, tu vas mourir. Cette perte de temps. Salut Danwan. Bon. Alors là, mon plan, c'est de le faire évoluer, de jamais me faire toucher et de le faire évoluer lui et il meurt. Vous allez voir. Ça va se dérouler. Ah, regardez, regardez, déjà là, on fait face. Voilà. On a un niveau. Ah, par contre, je suis embêté. Je suis embêté parce qu'il faut absolument que je mette un énergie ici. Et nous avons Janwan, Janwan qui se abonne pour la 5ème fois. 5 mois de soutien. Merci Janwan, des bisous et bim le resum, merci beaucoup. Ok. Alors, on a. Donc là, je suis obligé de faire ça. De faire ça. Allez, allez, allez. Allez, face. 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 Quand tu vas me taper, tu vas rater. Tu vas rater, tu vas voir, tu vas rater. Il va rater. Croyez en l'âme des cartes. Croyez en l'âme des cartes. Allez, 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 allez. Ok. Ah, je suis pas mort. Je ne suis point mort. Qu'est-ce que je prenne? J'ai plus de fil. Ah, si, il reste un fil à aller. Fais-le, voler, fais-le aller. On va faire ça. Ça, si jamais il peut pas évoluer, on fera évoluer sur l'autre. Je prends quoi? Je sais plus ce qu'il fait le Nymphalie, il doit en rester un normalement. Bon, je sais plus ce qu'il fait le Intouchable Crane, tu l'avais dit, oui. Vas-y, je sais pas ce qu'il fait. Hein. Oui. Magnifique. Magnifique. Lancez une pièce, si c'est face, cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires et vous soignez 30 points de dégâts. Oh, je peux l'endormir. Mais oui, c'est génial. 90. On y croit. On y croit. Et il va bien réussir à éviter une fois. Il va bien réussir à éviter. Allez. Allez, Lima Speed, t'évites une fois. Tu as raté une fois. Là, tu vas réussir. J'ai confiance en toi. J'ai tellement confiance en toi. Allez. 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 Yeah.
Ouais, on va mettre un Sunistrel, c'est trop bien. Voilà. Oh, il a pas réussi, il s'est pas réveillé. Il s'est pas réveillé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Attends, c'est quoi ça? Je comprends pas ce qu'il fait. Seule fois pendant votre tour, vous pouvez échanger votre Pokémon actif avec l'un de vos Pokémon de banc. Dans ce cas, votre adversaire échange son Pokémon actif avec l'un de ses Pokémon de banc. Mais il est endormi? Pourquoi il peut? Il peut utiliser son talent en étant endormi? Je comprends pas. Regarde combien de cartes il lui reste. Oui, 10. Ah, vas-y, voilà. Tu veux que je fasse avec ça? Tu peux utiliser un talent en étant endormi? C'est dégueulasse. Menu vaguement inerte. Il lui reste 9 cartes. Hein. Il lui reste 9 cartes. Donc là, il m'a tué. Alors, il frappe à 70. Lui, il a 90 points de vie. Mais ce qu'il faudrait, c'est que je l'endorme. Ça, ça va prendre 2 tours pour le tuer. Si le Pokémon active, ça va prendre 2 tours. Il faut que je slow play. Il faut que je slow play. En croisant les doigts pour choper. Attends, j'ai rien. Je n'ai rien. Et après, faut que je prie pour arriver à l'endormir. Ça fait quoi déjà son pouvoir à lui? Parce que ça se trouve c'est un truc bien. Non, c'est 70, ok, il a 8 cartes. Moi il m'en reste 20. Bah, c'est de l'âme serve à rien. Donc on va ça. Ok, ça fera un Pokémon de plus pour lui faire perdre un tour. Tu as récupéré de l'énergie, comment ça? Ouais, je suis moins fatigué. Ah mince, il lui reste qu'une carte récompense. Ah, j'avais oublié ce détail. Ah oui, pardon, non, mais j'ai oublié. J'ai oublié Nervatotep. J'ai oublié. Tu pourras pas perdre un Pokémon de plus. Ouais, non, c'est fou. Ah, c'est dommage. Il aurait fallu que je mette Philali, du coup. Tant pis. Ah, j'avais oublié ce détail. Tant pis. Tant pis, tant pis.